Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis désolée, vraiment, vraiment, vraiment du retard. C'est juste que j'ai eu un gros problème matériel, c'est-à-dire que j'avais fait les tirages, et lorsque j'ai réécouté, ah ben, c'était une catastrophe en fait. Au niveau du micro, ça a été vraiment une catastrophe. J'espère que là, ça va aller. Donc, je continue donc les guidances, je suis désolée pour le mois d'août. La semaine prochaine, je ferai certainement les guidances pour le mois de septembre. Donc, eh bien, encore une fois, hein, toutes mes excuses, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, les Verseaux, les petits Verseaux, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, à l'intérieur de vous, d'accord? Je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. Je fais de gros bisous à mes abonnés. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Alors, pour le mois de juillet, j'avais changé ma façon de faire l'évidence. D'accord? Donc là, je reprends, parce qu'apparemment, j'ai eu des bons retours. Donc, je reprends l'oracle de l'énergie pour voir vos énergies, bien évidemment. L'oracle du sixième sens pour le côté matériel, professionnel. Pardon, professionnel. Et je termine avec le côté relationnel et sentimental avec le chakra du cœur. Voilà, les amis, tout est dit, je commence. Allez, on y va. Donc, pour mes petits versos pour ce mois d'août, je suis désolée du retard, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on y va, on va voir un peu les énergies pour mes amis versos pour ce mois d'août. Allez, versos. Pour le mois d'août. Alors, je voulais aussi vous informer, mais vous l'aurez dans la communauté. Je reprendrai les lives. Ce sera, je pense, le jeudi soir, mes amis. Hop, à partir de... Vous aurez la date de toute façon, mais je pense que ça sera à partir de la rentrée, en fait, de la dernière semaine d'août. Je vais vous dire ça. Ça sera le jeudi 1er septembre pour les lives. Allez, ça sera un live et questions-réponses. Donc, on y va, mes amis. Oh là 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 là. Alors ici, ces deux sont à l'envers, à l'endroit pour vous, mais à l'envers pour moi. Donc ici, c'est vous avez envie de passer à autre chose, d'accord? Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous étiez dans une phase de blocage, vous voyez, vous appréciez l'appréciation ici, c'est focalisé par rapport à une situation. Là, ça y est, vous avez peut-être vécu quelque chose de personnel, de professionnel ou autre. En tout cas, il y a cette envie de partir, ok? Parce que vous étiez vraiment bloqué dans cette situation, vous focalisez dessus, enfin, là, ça y est, c'est terminé. On vous demande de suivre votre cœur et de faire appel à l'archange Raphaël. Il va vous aider, d'accord? Donc vraiment, un besoin de renouveau, un besoin d'autre chose, un besoin de rebâtir quelque chose ailleurs. Ok? Bon, ben c'est déjà beau, hein? C'est déjà pas mal. Les énergies sont très très belles. Alors on va voir au niveau professionnel, mes amis. Professionnel, oups. Au niveau professionnel, pour mes amis, verso, là il y a du retard. Un retard aussi, peut-être un projet, quelque chose qui a pris du retard. Ok, alors. Les amis versos, s'il vous plaît. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, ici, j'ai l'argent. Et ici, j'ai la vieillesse. Alors, pour moi, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être
Ouais. Il y a des choses à mettre à plat, à se libérer du passé. D'accord? Il va falloir se libérer du passé au niveau professionnel. Il y a peut-être eu, pour moi, il y a vraiment quelque chose de, une envie de renouveau, une envie de rebâtir, une envie de, voilà, de se mettre à son compte. Pourquoi pas? Ici. Et en fait, alors je vais vous donner plusieurs possibilités, plusieurs ressentis. Ici, on vous donne la force d'annoncer à votre patron et à la hiérarchie que vous arrêtez. En fait, vous vous dépouillez du passé pour rebâtir quelque chose de nouveau à votre compte. Ensuite, ça peut être aussi des discussions liées justement à l'interne, c'est-à-dire une demande de changement de poste, avec évidemment l'augmentation qui va avec. Passez vraiment à autre chose ici, hein, vous voyez? Il y a vraiment autre chose. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive aussi, peut-être une proposition qui va arriver pour vous. Il va falloir en discuter, mais négocier. Voyez ce genre de choses au niveau financier. En tout cas, il y a vraiment cette notion de partir pour quelque chose de durable aussi, avec la carte de la vieillesse, pour quelque chose de durable. D'accord? Vous avez envie vraiment d'autre chose, hein? C'est au niveau professionnel, c'est clair. D'accord? Allez, on va développer. Pour les amis Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois, c'est fin août, hein. Oh, ça glisse pas sur mon nouveau tapis là. C'est bel hiver. Alors, professionnellement, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, j'ai l'impression que c'est la levée, mais on va la prendre. Et je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a du mouvement, hein, les amis. Regardez, il y a du mouvement. Il y a peut-être une envie de déménager par rapport à ce nouveau travail, peut-être. Une mutation aussi. On va voir. Alors, nous avons le passé, hein, qui ressort. Nous avons la réussite. Nous avons les conflits, évidemment. La grossesse. Et le retard. Alors ici, vous êtes peut-être en conflit, un conflit intérieur, hein, d'accord, par rapport à vraiment ce renouveau. Hein. Pour moi, il y a un projet, hein, vous avez des projets ici. Vous avez des projets, bon, ça va vous mener vers la réussite, ça c'est clair, mais ça prend un peu de retard. Et du coup, ça vous crée un conflit intérieur, hein, en fait, d'accord? Et ça va vous libérer du passé, de quelque... de... En fait, c'est pas vous libérer dans le mauvais sens, c'est-à-dire... Comment vous dire ça? Vous savez, quand vous en avez un peu marre de travailler pour un patron, vous avez envie d'autres choses, et on balaye le passé, et on rebâtit, on part sur un nouveau projet. D'accord? En tout cas, vous allez vers la réussite par rapport à ce projet, et c'est quelque chose qui a pris un peu de retard, hein, voilà, et ça vous met un peu en conflit. D'accord? Alors peut-être que vous avez aussi des conflits avec des personnes de l'entourage qui ne sont peut-être pas aussi optimiste que vous. D'accord? Mais en tout cas, moi j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, suivez votre voix, parce que vous allez vraiment vers la réussite. D'accord? Allez, mon petit verso, professionnellement. Vous me direz en commentaire, bien sûr. Voyez? Danger. Alors pour moi, c'est des blocages émotionnels là. C'est pas un danger dans le sens danger. Pour moi, il y a un blocage émotionnel. On vous demande de. Voilà. Il y a des hauts, des bas, d'accord. Mais on vous donne la force. Alors, ça peut vous concerner, vous, messieurs, mais ça peut aussi concerner une personne masculine autour de vous, mesdames. Mais ça peut venir aussi, l'aide peut venir aussi d'une personne masculine. En tout cas, il y a des énergies masculines ici. Hein. Vous voyez? Ici. Voilà. Montrer. Ici, nous avons le danger. Donc, pour moi, c'est émotionnel. Vous savez pas trop. Ensuite, nous avons la force. La force vous accompagne. D'accord? Ici. Donc, pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, une personne masculine autour de vous, mais ça peut être aussi l'aide d'une tierce personne. D'accord? Peut vous bloquer aussi émotionnellement, une conjointe. Enfin, bref. Vous avez compris, quelqu'un de proche. Et, en tout cas, vous allez vers la réussite. Le prestige, c'est le couronnement, c'est l'élévation, c'est le prestige, c'est vraiment la réussite, d'accord?
Donc, pas d'inquiétude, mes amis. Peut-être une envie d'aller sur déménager un pays étranger ou quelque chose comme ça. D'accord? Vous avez envie de, voilà, de au niveau émotionnel, au niveau de la santé. Alors, attendez, on va revenir ici. Ok. Et la chance, d'accord. Donc, ce projet, c'est une chance. Alors, écoutez-moi, moi, pour moi, vous avez envie de passer vraiment à autre chose. Bien, c'est comme un retour vraiment à la réussite après une période. Moi, pour moi, c'est le coco, d'accord. Cette obligation vaccinale, enfin, tout ça, qui a créé quand même des conflits. Là, ce que je ressens, c'est aussi pour les personnes qui ont été mises à pied ou licenciées, d'accord, par rapport à Pic. Et là, il y a un retour. Il y a un retour pour vous, il y a une décision qui a été prise, peut-être une décision de justice, justement, d'accord, et qui fait que vous retournez à votre ancien emploi, hein, vous récupérez votre poste. En tout cas, c'est un projet. Ok. Mais il y a quand même, là, c'est par rapport à ce projet, c'est en gestation, hein, c'est vraiment ce que vous attendez, il y a quand même une fissure, quand même, hein. Il y a quand même eu quelque chose qui a été brisé, si on peut dire comme ça, d'accord. Mais là, on vous dit, ça prend du retard, ok, mais c'est un coup de chance, et un coup de chance pour vous, c'est une chance à saisir. C'est une chance à saisir, parce que ça, ça a détruit, hein, beaucoup de personnes, ok. Mais là, la décision va être prise, soit par une loi, soit parce que vous avez entrepris des démarches officielles, bien évidemment. Mais en tout cas, vous êtes battu et là, vous allez récolter. Vous allez récolter. Ok, c'est beau. Allez, on va voir maintenant au niveau relationnel, émotionnel. Relationnel et sentimental, pardon, c'est pas émotionnel, c'est pas émotionnel. Avec trois cartes du chakra du cœur. Pour vous, mes petits versos. Alors, une rencontre par le travail. 5 jours. Oups. Des blocages matériels et financiers. Ben oui, hein, j'imagine. Je vais les recouvrir de suite comme ça. Et encore une, s'il vous plaît, pour mes petits versets. Ici. Donc, je vais aller les chercher. Et une surprise vous attend, une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau professionnel par le travail, en fait, par l'intermédiaire d'un collègue de travail ou d'une personne que vous, vous savez, vous échangez avec elle, soit que par mail, soit c'est un commercial, soit quelque chose qui a un lien avec votre travail actuel et qui va vous aider. Et ça va être une belle surprise, d'accord, par rapport à quelque chose qui vous a quand même provoqué des blocages matériels et financiers. En tout cas, il y a vraiment une histoire de hasard, quelque part, d'accord. On va couvrir. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi des personnes qui, par rapport à la situation de mise à pied, enfin, tout ça, qui ont été... évidemment, hein, ces blocages financiers et matériels, en tout cas... Et qui ont justement travaillé, hein, qui travaillent quand même dans une autre branche, qui ont fait autre chose en attendant. En tout cas, par l'intermédiaire de ce nouveau travail, vous allez rencontrer une personne, et ça va être une belle surprise pour vous. Une très très belle surprise pour vous. Et on me parle de la nouvelle lune. Alors ici. C'est lié aussi à des blocages anciens, des blocages de mémoire karmique, ce que vous vivez là, d'accord? Ok, donc il faut vous en libérer quand même. Vous avez évidemment votre libre arbitre de faire ce choix, d'y aller ou pas. Alors évidemment, ça peut être une relation
Là, on est dans le relationnel et sentimental, d'accord? Donc, je vais analyser, bien entendu, je vais développer, mais hop. Alors ici, ça me dit, il y a une rencontre qui va se faire par le travail. Donc, c'est une rencontre sentimentale, bien évidemment, d'accord? Et on vous dit de vous débarrasser de... Vous avez quand même des blocages, des mémoires karmiques, en fait, d'accord? Donc, qui vous créent ces blocages, ok? Donc, il faut vraiment, éventuellement, essayer de vous faire aider pour enlever ces blocages karmiques, d'accord? Par rapport, et qui vous crée aussi, évidemment, hein, des blocages matériels, financiers, et on me dit que c'est karmique. On me dit que c'est karmique, là, vraiment. Alors, par rapport à cette rencontre, ça sera une belle surprise. Ce sera un homme ou une femme brune, ok? Et vous aurez le choix. Vous allez avoir un choix à faire, mes amis. Soit de suivre cette personne, soit de vous mettre avec, en couple avec une personne, si c'est au niveau relationnel, professionnel, ou plus personnel, familial, on vous dit pareil, hein, c'est la même chose, vous avez votre libre-arbitre. Vous la suivez ou pas. D'accord? Mais il faut vous libérer de ces blocages karmiques qui entraînent d'autres blocages. Vraiment. Il y a une belle rencontre quand même qui va se faire, que ce soit au niveau personnel, amical, ou sentimental. D'accord, les amis? Écoutez, hein, c'est quand même... Alors, peut-être que vous vivez déjà ça, hein, évidemment. En tout cas, c'est un très, très beau tirage. C'est une très, très belle énergie qui vont vous accompagner, mes amis. Et je suis vraiment très, très heureuse de vous avoir passé, transmis ce message. Bon, bien sûr, hein, n'oubliez pas, c'est pour ne pas parler à tous les Verseaux, hein, évidemment. Donc, vous, les personnes pour qui ça parle... Voilà, et c'est vraiment des conseils, les dernières cartes, ce sont vraiment des conseils qu'on vous donne, d'accord? Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker, partager, abonnez-vous, et puis moi je vous dis à très bientôt pour, ben, soit sur mon live, soit pour une nouvelle guidance pour le mois de septembre. Je vous embrasse mes amis, au revoir.